Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Notre invité ce soir est clivant. Il irrite les uns, mais il galvanise les autres. Il s'est en tout cas fixé un objectif très clair, faire de son parti la première formation politique en région bruxelloise le soir des élections de 2024. Avec lui, nous allons parler ce soir de ce qui se passe en Ukraine et notamment de la décision du gouvernement fédéral aujourd'hui d'envoyer missiles et munitions aux Ukrainiens. On parlera également de pouvoir d'achat, de fiscalité, d'un voyage de parlementaires libéraux au baroque et bien sûr, on parlera aussi de ses ambitions électorales pour 2024. C'est Georges-Louis Boucher qui est notre invité. Georges Louis Boucher, donc président du Mouvement Réformateur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le gouvernement fédéral a donc donné aujourd'hui son feu vert à l'envoi d'une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine avec des missiles anti-aériens et anti-chars, des grenades, des munitions. Il y en a pour 92 millions au total. Ça veut dire qu'on double l'aide qui avait été fournie jusqu'à présent. Est-ce qu'on n'est pas en train d'entrer progressivement dans une logique d'escalade avec la Russie d'un côté et les Occidentaux de l'autre qui sont obligés de fournir de plus en plus d'armes non, je pense que la logique de l'escalade, ça serait surtout de laisser un certain statu quo qui obligerait à faire durer le conflit. Le meilleur moyen de stopper une escalade, c'est surtout de mettre fin à la guerre. Et pour mettre fin à la guerre, il faut s'en donner les moyens. Euh, et aujourd'hui, on le voit, la Russie est dans une position de plus grande faiblesse que tout ce qu'on aurait pu imaginer au début euh, du conflit. Donc il faut aider les Ukrainiens à faire la dernière étape pour pouvoir être dans une situation militaire qui permette de négocier la paix. Mais l'objectif, c'est d'arrêter le plus rapidement euh, les combats. Et on ne peut pas euh, arrêter les combats euh, si euh, la partie d'en face, en l'occurrence les agresseurs, la Russie, continue à envoyer des missiles. On l'a vu encore sur Kiev euh, pas plus tard. Hier, euh, par exemple, eh bien, on ne peut pas euh, commencer à discuter euh, euh, avant donc ça. il faut donc gagner il faut... la guerre ou, en tout cas, être en, dans une position suffisamment Exactement. favorable que ça oblige Exactement. les Russes à négocier. Exactement. Ouais. Vous pouvez avoir les meilleurs sentiments du monde, vous devez être en position. Aujourd'hui, Vladimir Poutine ne va pas euh, se laisser compter sur des belles paroles ou des volontés ouais. positives. On a compris, il est dans une logique de domination, de destruction, de rapport de force. Ouais. Et donc, à partir de là, euh, vous devez lui montrer que ça ne fonctionne pas. Ouais. Dans l'aide belge, euh, il y aura des véhicules blindés mais pas tout de suite, mais il n'y aura pas de char, alors que l'Allemagne, la Pologne, les États-Unis, les pays scandinaves, tout le monde est en train d'envoyer des chars, et Denis Ducard, dans notre parti d'ailleurs, il y a quelques jours, suggérait de le faire. Pourquoi est-ce que cette suggestion n'est pas retenue Écoutez, il y a toute une série de paramètres et en l'occurrence aussi les capacités militaires belges par rapport aux stocks qui sont déjà disponibles par rapport au matériel dont on, nous avons besoin. On sait le gouvernement de Charles Michel a permis de refinancer l'équipement militaire, mais il y a aussi des commandes qui se font et donc on ne on se bat on a plutôt on fait se pour des véhicules blindés à roues hein Exactement, hein pour une raison qui est très claire, c'est que et c'est d'ailleurs pour ça que on ne se dirige pas sur les chars en priorité parce que l'armée a décidé de se spécialiser dans certains secteurs. Pour pourquoi Parce qu'on n'a pas une armée qui, à elle seule, euh, est, est nécessairement euh, dans une opération qui serait généralisée pour qu'on soit en capacité sur des mouvements euh, et sur des terrains de guerre. Eh bien, on s'inscrit dans l'OTAN. Et donc, c'est pour ça qu'il est plus intelligent que nous ayons des armées qui soient spécialisées dans toute une série de secteurs pour que, quand elles travaillent ensemble, elles soient les plus fortes possibles. Donc, on n'a plus de chars. On, pas on, dit on, on a, on on a plus a... chars. On a des vieux <laughs> chars Léopard euh, qui datent de 1967 pour qu'on n'en voit pas. Là. Je l'ai dit, on doit le faire sur la base aussi des rapports de la Défense. Et la Défense a fait un inventaire du matériel qui pouvait être envoyé. Le reste du matériel, c'est soit il n'est pas en état, soit nos forces armées en ont besoin pour remplir des exercices, des missions, voire des obligations internationales. Donc on le garde chez nous. Le vendredi, georges Boucher mais vous connaissez la formule, vous êtes déjà venu, <laughs> oui. il y a des questions des téléspectateurs. C'est Aline Wazor qui est à la rédaction pour recenser et répercuter ces questions. Bonsoir Aline. Bonsoir Fabrice, bonsoir Monsieur Boucher. Bonsoir. Alors, euh, merci. Un premier internaute, Alain, pose la question de savoir pourquoi nos impôts aident un pays en guerre alors qu'il est demandé à tous de faire ceinture pour des raisons économiques. Et un second internaute, Denis, aimerait savoir quand est prévue la fin des droits de succession étant donné que l'argent allégué à nos enfants est taxé plusieurs fois avant notre mort. Alors, première question, pourquoi est-ce qu'on aide l'Ukraine alors que ça nous coûte de l'argent et qu'on est peut-être dans une situation économique difficile Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre de l'Ukraine, c'est notre guerre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter demain qu'un État, au nom du rapport de force, se dise eh bien moi, je m'approprie mon voisin et j'empêche mon voisin de décider en totale liberté de la destinée de son pays, c'est-à-dire se tourner vers l'Europe, vers, vers l'OTAN. Et donc. Quand on, on déploie 92 millions d'euros, je rappelle quand même que le budget global de l'État fédéral est de plus de 180 milliards d'euros. On parle de 92 millions, ça ne veut pas dire que ce n'est pas beaucoup d'argent, mais néanmoins, ça reste gérable dans une masse budgétaire comme celle-là. Eh bien, on travaille à notre sécurité. Et de toute façon, aujourd'hui, nous sommes engagés. Euh, alors, indirectement, nous ne sommes pas des co-belligérants, que les choses soient bien claires, nous ne sommes pas en ouais. guerre. Vous pensez y a la, l l Russie. la même chose alors, écoutez, les Russes peuvent l'interpréter de toute la manière qu'ils souhaitent, oui. mais en tous les cas, au niveau du droit international. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais nous sommes engagés dans un soutien matériel et logistique à l'Ukraine. Et donc, nous devons aussi aller au bout euh, de la logique. Et donc, qu'on soit bien clair, ces 92 millions, ils sont investis dans la sécurité de l'Europe, c'est-à-dire de nos concitoyens. Ce n'est pas de l'argent envoyé aux autres. Il faut quitter cette vision-là qui ne correspond pas à la réalité. Si demain la Russie euh, s'accapare l'Ukraine, il y aura les Pays-Baltes, il y aura d'autres pays qui seront en danger. Et donc, il y aura les ports de l'Europe et aussi nos concitoyens qui subissent par exemple, des impacts en matière de voies migratoires ou de coupures euh, en matière d'approvisionnement gazier. Ouais, – et de coûts de l'énergie. La question de Denis, est-ce qu'il faudrait en finir avec les droits de succession à Ça, c'est je... une question un peu libérale. Hein. – Alors, c'est une question totalement libérale. Je pense qu'en tous les cas, soit on taxe moins les revenus du travail et alors on peut se permettre de taxer un peu les successions, soit, effectivement, vu la taxation euh, aujourd'hui du travail, on pourrait supprimer les droits de succession. Aujourd'hui, le problème, c'est que le même euro est taxé 4 à 5 fois. Vous gagnez de l'argent, euh, vous êtes taxé via votre travail. Vous voulez acheter une maison, vous avez les droits d'enregistrement, vous avez ensuite oui. votre précompte. compte Mais ça finance et ensuite... le, les caisses des régions aussi. Oui, hein, mais, mais aujourd'hui, aujourd le nœud du problème, c'est que vous pouvez expliquer que ça finance les régions, les communes. Il y a... Le problème dans ce pays, c'est qu'on paye un volume d'impôts colossal. On fait partie des trois pays de l'OCDE qui payent les plus hauts niveaux d'impôts sur le travail et le capital. Mais pourtant, on vous explique que la justice euh, ne va pas assez vite, que la police n'a pas assez de moyens, que l'enseignement n'est pas efficace, que les routes ne ne sont pas en bon état. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter de croire qu'il faut sans cesse avoir de l'argent. Pour répondre à Denis, dans la prochaine législature, on travaille sur les pour droits réponde, de succession. Pour répondre à Denis de façon très claire, la volonté du mouvement réformateur, c'est de baisser la fiscalité. D'abord au niveau fédéral, puisque c'est là où ah, nous oui. sommes. Et nous avons, et eh bien pas plus tard qu'il y a encore une heure, j'étais en réunion sur notre modèle global de diminution de la fiscalité, on, on va y venir, où on sera oui. sur des montants très importants, au moins 8 milliards d'euros en matière de, de pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Et donc, effectivement, si on se retrouve aux régions, la volonté sera aussi de baisser euh, la fiscalité. Alors, justement, c'est l'actualité. Et juste un point oui. sur les droits de succession fondamentales ce qui motive les classes moyennes à se lever le matin, c'est de, de permettre un avenir meilleur à leurs, à leurs enfants. enfants donc et donc, donc, il faut bien évidemment oui. okay. pouvoir transmettre son patrimoine. Alors, le prix des axes, ça c'est aussi, c'est du pouvoir d'achat, euh, il devrait remonter sur le gaz et l'énergie. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement et parce que c'était prévu comme ça Alors, il y a moyen de faire autrement, je l'ai dit. Ouais. Et si vous augmentez. On non, fait mais il y avait quand même un accord. Ça vais... a été baissé au printemps dernier, dans les circonstances qu'on connaît. Et, et le gouvernement fédéral avait dit que c'était temporaire. Vais Donc, très... on est à la fin du temporaire. Alors, je vais être très clair avec vous c'est la fameuse baisse de la TVA. Moi, j'ai toujours expliqué que bon, c'était quand même quelque chose qu'il fallait débattre parce que quand vous baissez la TVA, le risque, c'est de devoir la remonter après. C'est ce qu'on a reproché au gouvernement précédent. Ouais, donc, donc, ce là, gouvernement sait. On ne remontera pas la TVA, ah, mais, ici, on, mais on montra un peu les axes. Ici, en fait, puisque le PS et Écolo n'ont pas envie qu'on les accuse de faire la même chose que le gouvernement de Charles Michel, plutôt que d'augmenter la TVA, ils se disent bah, on va augmenter les axes, ouais. comme ça, ce n'est pas la même chose. Mais pas tout à fait au même niveau. Euh, hein, alors, parce que la TVA aura du ça... rapport à 1,3 milliard, là, on parle de 500 millions. Ça, c'est la proposition de Vincent Van Peteghem, ouais. mais c'est toujours pas ça qui est validé. Donc, pour le moment, est-ce qu'à un moment donné, il y aura un rééquilibrage de la fiscalité Moi, je pense qu'on devrait surtout le faire par l'augmentation du taux d'emploi. Je rappelle qu'à Bruxelles, oui. il y a près de 4 personnes sur 10 en âge de travailler qui ne travaillent pas. Oui. Donc, ils ne Mais contribuent ça, pas. Et ça prend au temps, propos... temps, Mais ce n'est pas pieux oui. parce qu'il y a 140 000 métiers en pénurie. Oui. Mais donc, les métiers en pénurie, vous pouvez les remplir oui. demain matin. Mais... Il faut faire la bonne formation, il faut vouloir se lever le matin. Mais dire qu'on ne un pas un les axes, c'est valider un, un budget en déséquilibre. C'est quand même un petit peu sur donc cette donc question que va de bléquer quitter le gouvernement. Je n'ai pas dit ça. Ah oui, alors, ça, il faudra poser la question. Euh, par rapport à ceux qui ont souhaité qu qu'il va le gouvernement. En bah, l'occurrence, c'est le mais, premier mais, ministre mais, Alexandre De Croo, Il faudra lui poser la question. Ouais. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que euh, au niveau de l'augmentation des axes, on ne peut pas rééquilibrer la fiscalité tant que la facture des citoyens n'est pas revenue à des niveaux assumables. Ouais. Même si on s'est engagé plus ou moins auprès de l'Europe à le faire. On ne ouais. s'est jamais engagé sur une date. On s'est surtout engagé à ce qu'à un moment donné, il y ait un rééquilibrage quand les prix redeviennent raisonnables Donc, Concrètement, les axes ne vont pas remonter dans les prochains mois, comme le souhaite le ministre des Finances En tous les cas, on va d'abord analyser le prix de la facture. Donc si, au mois d'avril, pour vous dire simplement, si vous retrouvez une facture normale, c'est-à-dire la facture que nous avions il y a deux ans, au niveau des prix de l'énergie, là, les axes là on remonter. peut effectivement envisager de revenir à des niveaux de fiscalité. Si, par contre, la facture reste au niveau qui sont les, les niveaux actuels, ça serait totalement criminel de rajouter ce poids sur nos concitoyens. Alors, il y a deux dossiers très importants portant sur la table du gouvernement fédéral dans les prochaines semaines, la réforme des pensions et une éventuelle réforme fiscale sur les pensions. On commence par ça. Je vous propose d'écouter Karine Lalieu. elle était notre invitée dans cette émission, c'était la semaine dernière, on était le 20 janvier. Alors, on ne baissera pas le bonus pension à 2 euros. Alors, où est-ce que vous allez trouver l'argent Alors, lieu. on va mettre des mesures, d'autres types de mesures, qui permettront effectivement d'avoir plus de solidarité entre les hausses et les basses pensions, pour faire en sorte effectivement qu'il y ait la neutralité budgétaire dans le cadre de la réforme pension et qu'il y ait même un petit surplus. Mais hors de question. Je le dis et je le répète aujourd'hui, hors de question qu'on fasse des économies budgétaires sur le dos des pensionnés. Ouais. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Est-ce qu'on fera des économies budgétaires sur le dos des pensionnés mais le problème, c'est que Mme Lalieux évoque beaucoup de choses sans donner la moindre mesure concrète. Et donc, il faut qu'elle ait le sens des responsabilités. Aujourd'hui, ça vient manifestement de sortir dans, dans la presse, mais c'est une information que nous, nous avions depuis longtemps, fatalement. La Commission européenne dit avec la réforme que vous avez faite en juillet, ça ne va pas économiser de l'argent. Ça va coûter encore oui. plus. Mais elle s'est à ce que ce soit neutre budgétairement. Donc, donc mais, elle est prête à mais des adaptations. Mais ça ne peut pas être neutre budgétairement. Ça doit équivaloir à des économies. D'ailleurs, la Commission européenne chiffre ces économies. Il nous explique que dans l'état actuel, notre budget euh, en matière de pension va dériver de plus d'un pour cent. Euh, chaque année. Et donc, il faut au moins aller récupérer euh, ce pourcent. Si pas la Commission européenne dit, eh bien, je ne livrerai pas l'argent pour le plan de relance, je ne vous donnerai pas cet argent. C'est d'ailleurs l'argent des projets d'un autre socialiste. Donc, je dirais que là, on a un peu un match entre socialistes. Est-ce que Karine Lalieux sauve le plan de relance de Thomas Dermine ou est-ce que à l'inverse, ouais. euh, Thomas Dermine abandonne son plan de relance euh, pour faire plaisir à, ouais. à Karine est Lalieux Est-ce que vous voulez qu'on à dit... la péréquation des fonctionnaires en tous les cas, il faudra prendre... Ce système qui leur permet d'avoir des retraites euh, euh, plus confortables moi, que celles des euh, autres salariés. Moi, je vais ouais. vous dire, M. Grosfilet, j'aimerais qu'on soit dans un monde où on ne touche à personne. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a un régime de pension qui est profondément injuste. Pourquoi Parce que pour le même métier, selon votre statut, vous allez toucher des pensions différentes. Ouais. Et pour être très Donc, clair, aujourd'hui... Ça veut dire oui. Aujourd'hui, on, ouais. on a 10% des pensionnés qui puisent plus de 30% du budget global des pensions. Il y a quand même un problème de déséquilibre. Et donc la vraie justice sociale, c'est celle qui considère qu'une heure de travail vaut une heure de travail. Et donc les régimes spéciaux, effectivement, sont problématiques. Ils sont réformés aujourd'hui. Partout en Europe, on voit la situation de la France. Je ne vois pas de quelle formule magique la Belgique pourrait faire exception. Il y a surtout une autre priorité avant de, de, de s'en prendre à des gens qui ont travaillé. Moi, j'aimerais que l'on renforce et la, les, les sanctions pour les personnes qui n'ont jamais travaillé, qui aujourd'hui ont des pensions de plus de 1 500 euros. Donc, si vous avez été demandeur d'emploi tout au long de votre vie, vous avez la potentialité d'avoir la pension minimum, c'est-à-dire plus qu'un indépendant. Aujourd'hui, mon papa, par exemple, est indépendant. Il n'a pas une pension équivalente à quelqu'un qui a chômé pendant 30 ans, c'est totalement anormal. Alors, l'autre gros dossier chaud, c'est la réforme fiscale. Je vous propose d'écouter un autre partenaire de majorité avec vous au fédéral, Ecolo, cette fois-ci, Raja Mahwan. Euh, elle était mardi matin dans Bonjour Bruxelles, la nouvelle matinale de BX1. Ça va être un bon dossier pour la Vivaldi de montrer qu'en fait la Vivaldi peut travailler ensemble et on attend de cette réforme fiscale plus de justice euh, fiscale, plus de justice sociale. On veut un relèvement des bas et des moyens salaires jusqu'à 300 euros net via le crédit d'impôt solidaire puisque euh, ce qui est proposé c'est que tous les salaires augmentent. Nous ce que nous voulons c'est que cette même masse soit redistribuée sur les salaires les plus bas de sorte que les personnes qui gagnent le moins voient leur salaire augmenter davantage. 300 euros pour les bas et les moyens salaires, d'accord ou pas d'accord Qui est contre ça bon, la, question, la question, c'est que ça. Moi, je pense d'ailleurs qu'il faut baisser la fiscalité auprès de tous les revenus. Ouais. Même on ceux peut... qui gagnent beaucoup Oui, on peut avoir un focus particulier, ouais. donc des montants plus importants pour les plus bas revenus, bien évidemment, pour créer un plus grand écart entre euh, celles et ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Mais je pense que c'est pas parce que, par exemple, vous savez, quand vous avez 10 ans d'ancienneté ouais. comme enseignant, vous avez un salaire de 2300 à 2500 euros net par mois. Je n'estime pas que c'est un gros revenu ouais. donc ces gens-là ont aussi ouais. le droit d'avoir une et fiscale. Et l'idée qu'on doit taxer les très hauts revenus pour justement aider euh, le pouvoir d'achat des plus bas revenus vous êtes d'accord ou pas Alors non mais je vais juste vous répondre en deux temps. C'est quoi un haut revenu Donc on me donne déjà le montant et deux, vous ouais. ne trouvez pas que Par dans exemple, un pays d'un million de patrimoine en dehors de ça Mais sa donc ça c'est pas, autre... ouais. pas un revenu, ça c'est pas un revenu, c'est la taxation ouais. du patrimoine. Aujourd'hui le capital est déjà taxé. Moi je trouve que c'est anormal qu'on vous taxe sur ce qui vous appartient. Euh, donc non, la taxation du patrimoine c'est pas quelque chose avec lequel on est en phase. et je vais vous dire mieux que ça. Aujourd'hui, 55 du PIB en Belgique, c'est de la dépense publique. On est un des pays qui dépensons le plus doit faire en matière de dépenses publiques. Dans Mais les Pays-Bas, je vous donne un exemple, dans les Pays-Bas sont à 46 J'ai pas le sentiment que les gens aux Pays-Bas sont profondément plus malheureux que nous. Allez, on prend une question d'un autre auditeur avec Aline Watsdorf. Alors on a également deux questions d'internautes. La première nous vient de Carlos qui souhaite savoir quand est prévue la suppression de la loi de 1996 concernant le blocage des salaires. Et ensuite Étienne, le second internaute, demande ce que fait concrètement le MR pour augmenter les capacités des enquêteurs financiers puisque l'argent récupéré pourrait financer le manque de moyens de la justice. Alors, blocage des salaires. Vous ne souhaitez pas qu'on en sorte, j'imagine. Mais c'est très clair. C'est la, la loi sur la compétitivité. Non, mais la loi de 96. Hum. Le problème, c'est qu'on dit que les salaires sont bloqués. C'est totalement faux. La loi de Il 96. Il ne doit pas augmenter plus vite que les pays voisins. La même. loi de 96 s'appuie sur deux principes. Le premier principe, c'est une indexation automatique des salaires. Les syndicats disent c'est pas une augmentation, c'est faux. Votre salaire augmente, il suit juste le cours de la vie. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, vous ne pouvez pas avoir des augmentations salariales qui sont supérieures à la moyenne de trois pays qui nous entourent les Pays-Bas, l'Allemagne et la France. Et donc c'est un équilibre. Donc si on supprime la loi de 96 comme c'est demandé, ça veut dire aussi qu'on supprime l'indexation automatique. Et ça, je ne le souhaite pas parce que je pense que c'est un outil qui est extrêmement efficace pour préserver nos concitoyens donc on les euh, de chocs euh, choc importants. Ouais. Augmenter euh, les euh, pouvoirs des enquêteurs, du fisc et de tous ceux qui luttent contre la fraude fiscale, si ah, j'ai bien compris là je la peux question d'Étienne. – Moi, je vais, je vais aller à contre-courant de ça. C'est qu'en fait, augmenter les pouvoirs des inspecteurs fiscaux, on l'a fait. Et je vais être très clair avec vous, je pense qu'on l'a trop fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'égalité des armes entre les contribuables et l'État. Je vous donne un exemple très simple. Si vous allez perquisitionner aujourd'hui un contribuable à 2 h du matin. Euh, – Eh bien, pas de problème, euh, ouais. la preuve sera acceptée. Essayez d'aller positionner si quelqu'un qui est même soupçonné si, de vol. – Même si on a des centaines de millions qui sont euh, éludés chaque année ?– ça, je vais y venir. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle tout le temps de la réforme fiscale, mais jamais de, de, la, de la fraude sociale. Vous savez que l'année passée, on a été chercher 30 millions d'euros de fraude sociale. Ça, c'est quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'en général, quand vous avez de la fraude fiscale, vous avez de la fraude sociale. Par exemple, celui qui vous euh, livre votre pizza et qu'on n'a pas déclaré la pizza, on n'a pas déclaré celui… Qui vient vous la livrer ou vous la servir. Et donc, c'est totalement anormal de nous dire qu'il y a plusieurs milliards d'euros de fraude fiscale et qu'il n'y aurait que 30 millions de fraude sociale. C'est de la légende. Et pour le reste, je sais qu'il y a un grand fantasme de la grande fraude fiscale, c'est-à-dire un individu ou une entreprise qui frauderait des dizaines de millions, voire de milliards euh, d'euros. Je tiens quand même à rappeler qu'en Belgique, en raison d'une fiscalité extrêmement élevée, la petite fraude fiscale quotidienne, c'est devenu une tradition. Combien de gens ne se sont pas vus proposer mmh. un peu d'argent sur le côté au moment de signer l'acte pour acheter une maison Combien de tickets au restaurant n'ont pas été un peu perdus Qui n'a jamais fait venir un peintre à la maison mmh. sans le déclarer C'est ça la fraude fiscale. Donc, venir nous expliquer qu'on a besoin de super enquêteurs, mmh. moi je crois qu'on a surtout besoin d'un autre rapport à l'impôt. Mais pour ça, il faut baisser l'impôt et il faut aussi que l'administration fiscale ait une meilleure relation avec les contribuables. Voilà, et donc là-dessus, c'est très net, il y a un très net clivage entre vous et les partis de gauche. Je voudrais qu'on parle d'un voyage, Jean-Julie Boucher. C'est le voyage de quatre députés bruxellois du mouvement réformateur au Maroc. Euh, Voyage organisé et payé par le Parlement marocain avec David Lester, David Westman, Gaëtan Van et Clémentine Barzin. Il vous gêne un peu aux entournures ce voyage ou pas du tout pas du tout. Pas du tout. pas du tout. pas du tout. Et je trouve qu'ils ont extrêmement bien fait de répondre à l'invitation d'un pays qui est un pays ami. Je rappelle qu'il y a près de 500 000 belgos marocains en Belgique. Oui. Donc ça veut dire que les affaires marocaines ben, concernent la Belgique et euh, ce qui se passe en Belgique concerne aussi le Maroc. Oui. Ils, sont quand même allés, ils sont quand même allés au Sahara occidental, qui est un territoire annexé par le Maroc, pas reconnu par euh, la communauté. Internationale. Ils ont dit que tout s'y passait bien, que c'était parfaitement calme, qu'il y avait de la vitalité économique. Ça a été repris dans les journaux locaux. Euh, vous n'avez pas le sentiment quand même que cette délégation elle a été un petit peu instrumentalisée par le pouvoir marocain et que quand on reproche aux autres de faire du communautarisme, on doit quand même garder une petite distance critique avec alors, ces pays Non, non. Alors je vais être très clair avec vous. Un, est-ce qu'un parlementaire doit se rendre partout pour avoir ouais. connaissance des choses, oui. Donc, qu'ils aient été même sur même le si territoire, le, le, même si c'est le pays euh, invitant qui paye mais le attendez, voyage. Attendez, ouais. je, je vous rappelle juste une chose, Monsieur Grofilet, Si vous voulez aller au Sahara occidental en vacances, vous pouvez. Hein. Donc, il ne faut pas présenter la, le territoire comme si c'était une zone obscure, militarisée, euh, que personne n'y rentre sans des passeports, etc. Ouais. Donc, il ne faut pas raconter mais ça. Ça reste un territoire annexé. Écoutez, c'est un territoire qui est querellé sur le plan du droit international. Mais ce n'est pas parce qu'il est querellé sur le plan du droit international que vous ne pouvez pas vous y rendre. Je vous rappelle quand même que dans tout l'ancien euh, bloc soviétique, il y a plein de parties de territoires qui sont querellées aujourd'hui. Il y a des territoires qui sont euh, querellés du côté de Chypre, par exemple. Donc des pays de l'Union européenne ont des parties de territoires querellées en matière de souveraineté. Donc à partir de ce moment-là, il faut quand même pas tout mélanger. Ils ont le droit d'y aller. Et sur le communautarisme, ça je vais être très clair. Le communautarisme, qu'est-ce que c'est le communautarisme, c'est prendre des positions politiques en vue de draguer une communauté. Nous, nous ne changeons pas un iota de notre discours, ni sur le voile, ni sur l'abattage rituel. Mais c'est pas parce qu'on a ces valeurs-là qu'on n'a quand même pas le droit d'aller les expliquer à toute une série de personnes qui peuvent se sentir plus ou moins concernées par le sujet. Donc le communautarisme, c'est de voir les gens, non pas comme des électeurs, des individus, mmh mais c'est de les voir comme du bétail électoral selon leurs conditions euh, de, de supposées d'une communauté. Ce n'est pas du tout ce que fait le mouvement réformateur. – Mais Monsieur. Mais Confilé... donc le voyage en Sahara occidental, payé par les Marocains… Vous le validez, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune ouais. difficulté avec ça. Et moi, je vais vous dire, c'est très grave ce qu'on est en train de faire, hein, parce qu'on est en train d'assigner les députés à résidence. On est en train de dire que le premier voyage qu'un député fait, il y aurait un On problème. Pose une question. Non, non, pas vous, non, non. mais je, je sens bien l'ambiance. Oui. Moi, je demande aux députés du MR d'au contraire se déplacer, d'aller sur le terrain, oui. de, de savoir de quoi je ils dois, parlent. Je dois vous couper, parce que le temps avance. Je voudrais qu'on prenne une dernière question, un seul auditeur, euh, s'il vous plaît, Aline, puisque le, le temps presse. Une dernière question. C'est l'internaute Marc qui aimerait enfin avoir la réponse à cette question. Qui vous a invité sur la ligne de départ du Grand Prix d'Abu Dhabi Ah, alors ça, c'est une photo que vous aviez publiée. Hein. Vous êtes... on sait que vous Je ne l'ai pas publié. Vous... Ah. publié. Quelqu'un enfin, s'en est chargé bon, pour moi. Mais on sait que vous aimez la Formule 1. Est-ce que vous avez été invité à ce voyage et Donc, j'ai trouvé toujours ces questions qui étaient extrêmement euh, problématiques parce que ça veut dire qu'on est présumé coupable. Mais je peux rassurer tout le monde ici sur votre antenne. Il n'y a pas eu un euro d'un tiers qui est intervenu dans ce voyage. Et donc, ce que les gens devraient savoir, c'est qu'à part la politique, j'ai aussi une vie. J'ai des copains qui travaillent en Formule 1. J'ai cette chance. Je fréquente les circuits. Et donc, je pourrais vous faire la liste des copains pas invité par que j'ai. Il n'y a okay. aucune entreprise qui est liée en Belgique, de près ou de loin, ou à l'étranger qui est intervenu pour un centime dans ce voyage. Et je tiens quand même à dire une chose, c'est que euh, moi je veux bien alors maintenant qu'on demande à l'ensemble des personnages politiques de justifier l'ensemble des voyages qu'ils ont faits. Je serais par exemple curieux de connaître eh bien, qui a payé les vacances de mes collègues présidents de parti cet été parce que si on commence à rentrer dans cette folie-là, je vais peut-être devoir vous montrer mon relevé de carte de crédit pour savoir qui a acheté ma C'est pas montre. ce que je vous demande. On, on même, répond à une question d'un interne. On est quand internaute. même euh, oui. présumé oui. innocent, je pense. Il reste deux minutes. Je voudrais qu'on parle de votre priorité pour 2024. J'ai dit en introduction, il a le souhait que son parti devienne le premier parti en région bruxelloise. C'est exact Exactement. Je vous l'avais encore répété devant vous. Je dit que j'aimais bien la Formule 1, donc la gagne, ça fait partie de la F1. Ouais, je suis dans une salle qui sent la victoire et la mobilisation et le parti qui monte, c'est le Mouvement Réformateur. Vous l'avez répété devant vos militants lors de lors de vos vœux euh, il y a quelques semaines. C'est faisable d'être premier parti à Bruxelles pour bien le sûr. mouvement réformateur ouais, Bien sûr, et je pense que d'ailleurs les, les dernières tendances d'opinion le montrent. On est en bagarre pour la première, première, deuxième place. Euh, moi, je ne me fie pas au sondage en matière de chiffres. Je pense que la tendance montre quand même que depuis trois ans, il y a un clair redressement à Bruxelles. Il y a aussi un dynamisme que l'on sent. On voit que nos salles sont pleines, qu'elles sont beaucoup plus diversifiées. On a aussi été renforcé par des profils qui ont émergé oui. très fortement Sophie Wilmès, des nouveaux profils à Jalabib, et bien sûr une jeune équipe. David Lester, David weissman Aurélie Tchekalski Geoffroy commence. Je veux dire, on a vraiment une très très bonne équipe. Alors, avec aussi des gens d'expérience comme Gaëtan ouais. Van Guatsenot. Adja Labib, post ministre des Affaires étrangères. Il y a eu le glissement d'Alexa Bertrand. Ma dernière question, est-ce qu'il y aura une liste commune MR Open VLD aux élections législatives en 2024 Tout est toujours possible. Et moi, j'ai beaucoup travaillé à l'alliance entre le MR et l'Open VLD. Donc je ne vais pas renier ça. Mais à un moment donné, on devra faire les bons choix au plus proche, on encore décidé euh, des en, avec Albert Lacar, en, en, en tous les cas, avec il, Bertrand, l'idée de travailler ensemble est très présente, mais on verra selon quelle modalité. Je pense qu'il euh, faudra en tout cas constituer les choix qui constituent les meilleurs choix pour la victoire, mais c'est trop tôt de parler de place. Il nous reste encore... Plus d'un an avant les élections, il faudrait que tout le monde travaille sur le fond des dossiers dans les gouvernements avant de penser à sa réélection. Merci, Georges-Louis Boucher. Demain, Merci à vous. Ridouane Chaïd et Céline Frémo sont dans les experts avec Stéphanie Meyer. Je reviens samedi en radio pour parler de jazz. Dimanche en culture, avec Connaissez-vous, on recevra Ismaël Saïdi. Et puis lundi à partir de 7h25 pour la matinale de BX1. Bonjour, Bruxelles. On sera avec le ministre, le secrétaire d'État à l'urbanisme. Et je vais retrouver son nom. <laughs> euh, secrétaire d'État à l'urbanisme, euh, Pascal Smet, lundi, bien sûr, à lundi.